Radio Maria Libreville 99 FM vous présente l'homélie du dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Frères et sœurs, que la joie du matin de Pâques soit avec vous et y demeure à jamais. Que la joie de notre renaissance baptismale illumine notre cœur et oriente nos pas vers le ressuscité qui vient. Nous avons parcouru, lors de notre veillée pascale, tous les grands événements de notre histoire sainte. C'est l'histoire de la famille de Dieu. L'histoire de la grande famille des chrétiens qui inclut aussi celle de nos frères les juifs. Ce matin, chers frères et sœurs, regardons la foi de Marie Madeleine qui n'oublie pas Jésus, le maître, son maître, après les sombres heures de la passion et qui se rend au tombeau de grand matin, le premier jour de la semaine. Le récit de Jean nous dit qu'elle était seule. Et Marc ajoute que c'est à elle que le Seigneur se manifesta en premier après sa résurrection. Elle, dont Jésus, nous disent les saintes Écritures, avait chassé 7 démons. Oui, frères et sœurs, c'est à une pécheresse repentie que Jésus se manifeste en premier. Nous pouvons donc contempler en Marie-Madeleine ce matin notre humanité, à la fois dans son extrême faiblesse morale et son ardent désir de ne plus pécher et de marcher avec le ressuscité. Marie-Madeleine nous rappelle que tous nos efforts nous rapprochent d'un Dieu qui nous sauve gratuitement, qui se livre par amour pour nous, et qui nous entraîne dans sa mort pour nous introduire dans la vie qui ne meurt plus, la vie éternelle. En ce matin de Pâques, chers frères et sœurs, courons-nous aussi vers le tombeau avec Pierre et Jean. Là où Pierre ne voit que des faits, Jean reconnaît des signes. Ces signes, nous les avons entendus. Le linceul est resté là. Le linge qui avait recouvert la tête, roulé à sa place. Il voit et il croit. Pour lui, chers frères et sœurs, tout est accompli. Et c'est le tombeau vide qui le lui dit, qui le lui enseigne. Tout est accompli, exactement comme le Seigneur l'avait enseigné. Jésus est vraiment ressuscité, comme il avait annoncé. Pierre entrera plus progressivement dans cette confession de foi
mais il y restera fidèle par la suite jusqu'à sa mort. C'est sa foi, chers frères et sœurs, que nous devons imiter. Lente, peut-être, mais fidèle et constante. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous avons à vivre cette expérience de foi. Nous sommes entrés à notre tour dans ce tombeau. Et nous voyons ce que Pierre et Jean ont vu. Hier, lors de notre veillée pascale, nous avons renouvelé notre profession de foi. Nous avons proclamé « Le Christ est ressuscité ». « Oui, il est vraiment ressuscité », avons-nous répondu. Nous avons fait notre la spontanéité de Jean et la solidité de la foi de Pierre. 2000 ans d'histoire chrétienne soutiennent donc notre proclamation de foi ce matin. L'Esprit de Dieu lui-même nous inspire les sentiments et les mots de la foi, les sentiments et les actes de foi. Et Jésus vient à notre rencontre pour nous affermir dans le baptême de nos frères et de nos sœurs, les catéchumènes de chaque année. Dans la Sainte Communion, chers frères et sœurs, nous communions au corps glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Frères et sœurs, portons alors haut, bien haut, partout dans le monde, la joie et la force de notre foi commune, notre foi qui est pascale. Apportons à tout homme la force et la créativité de notre amour. Soyons en tout point les témoins infatigables de notre espérance en notre propre résurrection pour la vie éternelle et bienheureuse avec notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, par la qualité de notre témoignage, rendons nos milieux de vie meilleurs. Que le Seigneur ressuscité nous bénisse tous. Nous lui confions spécialement toutes les familles, notre communauté paroissiale, afin que tous nous vivions dans la joie de la foi, dans la joie de l'Évangile à accueillir et à annoncer à nos frères et à nos sœurs. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Thank you.
Radio Maria Libreville 99 FM vous a présenté l'homélie du dimanche. Retrouvez-nous à la même heure, même fréquence, la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.